Bon alors, cette partie commence. Deuxième demi-finale, on a Kayo contre Dory Hatchett. Donc, les deux joueurs. Kayo qui a laissé la main. Ouais, les deux joueurs qui ont prouvé maintes reprises qu'ils étaient très forts. Et on a un tour 0 en puissance par Dory où elle commence sur du dominate. Yes, un petit spillblood pour bien démarrer. Et ça, bah, c'est un peu une petite punition entre guillemets d'avoir laissé start. Alors évidemment, Kayo veut être deuxième hein, parce que bah t'as la possibilité de discard, ouais. Tu prends la tempo, donc globalement c'est souvent que t'as envie. Mais là, là il y a un excellent start. Il y a un excellent start pour Maximilian. Oh la main shift the tide qui crée l'agility qui donne le go again. Oh là 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 là. Et du coup, il peut réattaquer avec une Hatchett à 5 Dominate. Ah, et même Arsenal une carte dans le tas. Et il peut même Arsenal une carte. Si alors, je pense qu'il hésite à booster pour push les dégâts tant qu'il peut. Ouais, je pense qu'en fait, il va pas Arsenal cette carte et qu'il va peut-être Braveforge et réattaquer et pusher un maximum de dégâts via le Dominate. Mm-hmm. Ça dépend ce que c'est, hein, parce que si c'est un plus 3, je pense qu'il doit hésiter à le jouer aussi. Ok. Hatchet of Mind qui part à 5 Dominate. Et l'agility qui est setup pour le tour d'après, donc là il se met très 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 bien, Maximilian. Putain, mais tu sais qu'avec leur connerie, ils me donnent envie de jouer le deck quoi. Ah bah c'est cool, Dory. Hein. Ah j'aime bien, mais vas-y, il faut que j'achète trop de cartes là. Qui vend des Valiantes? Allez. Non, et du coup, il joue Ripple Away. Oh, le discard Ripple Away pour cancel la Gil Windup. Non, mais attends, c'est une dinguerie. C'est quoi ce tour 1 de fou? Ce tour 1 est incroyable. Ce tour 1 est incroyable. Genre, enfin, j'ai pas les mots. Tour 0 main parfaite. Tour 0 main parfaite. Pardon, monsieur. T'as pas de meilleur setup que ça en vrai. C'est. Il a push 3 dégâts. Il a un agility et il a cancel l'agility qui aurait fait un gros tour pour Daniel. Donc Daniel va se contenter probablement d'un petit tour. À part s'il décide de jouer ce Blood Rush sur 24 cartes, ce qu'il décide de faire. Oh le Blood Rush. Et on est parti. Oh, les deux joueurs en puissance qui se tapent dessus, ils en ont rien à faire. Ouais, vraiment. Discard Cache of Agility, ouais, on s'en fout un peu de Cache of Agility là, c'est pas ça qu'on veut. Mais là, il va falloir qu'il pioche des Wild Ride parce qu'il a pas de go again vu que son agility a été deny. Ouais, alors j'ai vu un Berfang. Donc là, il va pouvoir claw pour 5 déjà. Déjà, ça c'est un acquis. Blood Rush claw pour 5, c'est l'acquis du setup. Mm. Et je crois qu'il va juste Berfang Arsenal une carte là. Ce qui reste décent pour une main de 4 cartes, tu vois, tu proposes tes petits 15, tu fais ton arsenal, ça reste quand même très décent. Hein. Parce que du coup, en termes de nombre de cartes utilisées, t'as fait 15 en 3 cartes, donc c'est pas mal. En termes de value, il aura 15, mais je crois qu'en termes de dégâts, il aura que 14, parce que le Berfang, si mes yeux me ne trompent pas, était jaune. Ah. Si le Berfang est jaune, alors là, ça devient une main nulle. À 14 de value. Ah bah 15 parce que t'as le mic qui est créé tout de même. C'est vrai. C'est le rouge. Oh là là, on est à 16. On est à 16 de value. Et s'il peut avoir un bon arsenal. Là, c'est les dynamos qui s'en vont. Alors, qu'est-ce qu'on discarde? On discarde un autre Clash of Agility. On s'en fiche de Clash, c'est nul. Mm. Après, je crois que du coup, la dernière carte qui lui reste est une bleue et que du coup, c'est pas un très bon arsenal. Mais je peux me fourvoyer. Ah bah ouais. Et là, Maximilian, il peut très bien bloquer parce que, contrairement à d'habitude sur les tours standards de Dory où tu veux garder deux cartes, ouais. Une pour pitch et une go again, là, en fait, il a besoin de garder qu'une seule carte puisqu'il a l'agility grâce à ce tour 1 phénoménal. Et donc là, il est assez tranquille. Et là, c'est vraiment bien parce qu'il peut faire Hatchett, Braveforge, Hatchett pour une bleue. Et il présente 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts pour une carte. Ce qui est très, très, très décent.
Et en plus, il reset les dynamos. Donc, en fait, il fait 7 de value. Il fait 7 de value pour... avec une carte. C'est solide. C'est des bons maths. Et là, on voit Daniel qui se pose la question d'Arsenal et qui décide de le faire quand même pour ne pas siper. Est-ce que ça va revenir le... Enfin, est-ce qu'il va s'en vendre les droits comme l'a fait... À pitch overpower bleu, très important de suivre où est cet overpower parce que ça peut faire la game sur un second cycle. Yes. Et c'est ce que j'allais dire d'ailleurs aussi, c'est que je pense que ce tour nous a donné une bonne indication du fait que Maximilian, alors même si on s'en doute avec le deck qu'il a, mais veut vraiment faire durer la game. Ouais. Parce que sinon, selon moi, il aurait peut-être bloqué avec Balance of Justice pour profiter de la draw dès ce tour-là en ne sachant pas s'il allait avoir un autre Blood Rush. Là, le fait qu'il ne l'ait pas fait a tendance pour moi à dire que il est assez confiant sur le fait que la game va durer au moins le temps de revoir une autre power card pour Daniel. Et c'est assez logique vu le deck qu'il joue. Mais je trouve que c'est quand même... Double sandpacking dans la main. Alors pour moi, la balance, elle est très bien comme ça. Il n'y avait aucune raison de la jouer maintenant parce qu'il avait le go again au début de tour. Donc une main 7, il s'en fiche en fait de mettre la balance direct. Il pouvait jouer. Balance, moi je la mettrais si je ne peux pas jouer en fait. Ouais, ça se tient aussi. Et puis en fait, en le disant par rapport à Blood Rush, je me suis rappelé que tous les Wild Ride et tout, s'il en joue deux dans le tour, ça active balance aussi, mine de rien. Parce que c'est pas qu'une carte qui dit draw 2 d'un coup à la Blood Rush, mais tu vois les E-Strike qui draw parce que t'as un Agility into Pulping, tu as pioché deux cartes et tu peux activer la balance. E-Strike plus 2, E-Strike à 8. Est-ce que c'est pas Fate Force Invaliant et une carte? Ah, je vois qu'il a un Spoils of War, il a peut-être envie de garder des cartes de sa main, sachant qu'il a la tunique de up. Ouais. Donc Spoils of War, Fate Forcing, qu'est-ce que je vois d'autre? Ok, Amnesia, il joue Amnesia là pour vraiment deny le caillou sur ses discards. Ah non, c'est pas ça, ça enlève les noms des cartes, c'est ça Amnesia? Non. Je sais pas, j'ai oublié. Ah non, c'est Iris Face, ça enlève les... Non, oui, Amnesia c'est le nom des cartes. Ah c'est ça. Amnesia c'est le nom des cartes. Amnesia c'est là au-dessus d'autre chose parce que c'est un bloc 3, c'est un popper. Donc ça check déjà deux cases. Et c'est très fort contre Katsu et Prism, qui étaient des match-up, je pense, semi-attendus pour le Pro Tour, surtout le Katsu. Et qui sont des match-up qui sont probablement pas des match-up très favorables pour cette liste de Dory, je pense. Enfin, c'est pas forcément des match-up ingagnables du tout, hein, mais c'est pas des match-up qui sont où tu pars très gagnant. Et du coup, je pense que c'est des match-up où t'es pas contre un petit peu d'aide supplémentaire. Et quitte à de toute façon mettre des blocs 3 et des poppers dans ton deck. Alors, il y a Agile Windup, Might Windup, CNC Casbone dans sa main. Ouais, avec le Agile qui est jaune. Agile si jaune. Bêtise. Alors, je pense que son tour, ça va être discard Agile Windup et ensuite pitch CNC pour faire un Casbone. Donc, qu'est-ce qui bloquerait pas du tout là en vrai? C'est difficile à dire. Moi je pense le tour opti chiffre de notre ami Daniel serait vraiment de discard cet Agile Windup, faire CNC à 7 avec le go again. Ouais, CNC surtout que là pour moi t'as. En fait. Maximilian, il peut pas avoir un truc qui donne go again et attaquer avec sa deuxième match. Donc il y a de fortes chances que la carte aille en arsenal. Si la carte va en arsenal, ton CNC gagne en value. Et c'est vrai que CNC à 7, ça a l'air fort. Et en fait, il décide pas du tout de faire ça. Donc intéressant parce qu'il value énormément ses HP. Du coup, parce que là, pour le coup, c'était vraiment. Enfin. Tu vois, une hache à 2, ça menace absolument pas. Et je pense que beaucoup de joueurs de Caillou auraient pris ces deux dégâts. Et non, lui, il préfère les, les,
les garder là, et setup mieux. Là, pour le coup, je comprends pas son play. Parce que s'il avait inversé et qu'il avait pitché l'agile wind-up et discard le might, il s'assurait sur le castbone de faire l'agility avec les 6 might. Je suis d'accord avec ça. Parce que là, il fait l'agility. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, là, il est miss, tu vois, il y a un blood rush là. Il a miss, hein. Ouais. Non. Bah après, le agility, il fait un might de toute façon, en fait, donc fallait qu'il fasse deux miss. Ouais, mais du coup, il a deux agility, c'est pas opti, il aurait pu avoir 7 might. Il aurait pu avoir 7 might, c'est pas opti ce qu'il fait. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une erreur. Et je pense que c'est parce que les joueurs de Kayo ont tendance à plus value l'agile wild-up que le mighty. Et que du coup, je pense peut-être presque par habitude, en fait, il a dit ouais. Bah, c'est celui-là que je dois discard parce que celui-là est plus fort, sans mais forcément coup, réfléchir ouais. correctement. Par mais contre, du coup, moi je reviens au CNC, j'ai vraiment du mal à comprendre le fait qu'il ait trade 4 points de dégâts et une menace sur l'arsenal. Contre eux, bloquer 2 points de dégâts d'une hache. Non, ça en vrai, ça je suis d'accord. Le CNC, c'était un bon play à bloc parce que si tu fais les chiffres, il arrive à 3 sur le CNC. Enfin 2 parce que c'est une hache à 2. Et ensuite, ouais. Il arrive à 6 plus 2. Agility, ça fait 8 en gros. Du coup, il bloque à 10 sur son tour. Et s'il avait, disons, pas bloqué et qu'il avait fait je discard Agile Windup, CNC, Casbone, est-ce qu'il aurait eu plus, tu vois? Bah. Parce qu'il aurait. Là, il a attaqué avec une hache pour 3. Parce qu'il aurait éventuellement miss le casse-bone, il aurait eu plus que 5 s'il avait fait ce play-là. Ah oui, dans ce sens-là, ok. Oui, ok. Du coup, c'était pour s'assurer de, même s'il missait, avoir quand même un might avec la discard, et ok. Mais je pense toujours qu'il a fait une grosse erreur. Je pense toujours qu'il a fait une grosse erreur en faisant... enfin, grosse erreur à ce niveau-là, je pense que c'est une grosse erreur de pas discard le might pour s'assurer ouais. d'avoir 7 mights. 6 ou 7 mites, c'était assuré en fait avec 2 mites de départ sur Casbo. Ouais, je suis d'accord avec ça pour le coup. Mais j'avoue que le CNC, ouais, je vois du coup, j'entends parfaitement. Mais en vrai, oui, non, mais je suis d'accord avec. Je suis complètement d'accord que c'est. Enfin, on va pas dire qu'il est nul du tout, hein, il finit premier des rounds, il est excellentissime, il est en top 4, évidemment. Mais factuellement, il a perdu un point de dégâts. Bien sûr, c'est facile de critiquer. Hein, et il a risqué. Enfin, en fait, du coup, il avait un agility, donc il le maintenait de toute façon. Mais, enfin, en vrai, il y a peut-être un argument à se dire s'il voit vraiment genre deux blood rush et un casbone dans les 3 premières cartes, il assure quand même l'agility. Mais je trouve ça. Non, mais tu vois, en fait, on va voir si à la fin de la game, ce dégât qui n'a pas été fait va changer la game. Mais c'est tout à fait possible à ce niveau-là que ça change la game, un dégât. Ouais, mais après, peut-être que, enfin, tu vois, peut-être qu'il se dit, peut-être qu'il y a réfléchi et qu'il s'est dit, je préfère perdre un dégât et être sûr d'avoir l'agility que de prendre le risque que mon casse-bone ait 3 miss et que même avec 2 mites de départ, je rate l'agility. Est-ce que 3 miss, c'était pas possible? Bah si, un casse-bone et 2 blood rush, tu vois. Enfin, tu peux avoir 3 miss. En vrai, ouais, c'est très très peu probable, mais est-ce que tu acceptes pas de perdre un value pour t'assurer que ce peu probable n'arrive jamais, parce que le coup, il te fait perdre beaucoup plus de maths, tu vois. C'est vrai. En vrai. C'est vrai. Encore un blood rush, du coup. On n'a qu'une carte en main, donc on est sûr de ce qu'on discard. On va refaire un might. Et là, on enchaîne pas mal pour Daniel, mais... Mais tu vois, finalement, ce gros tour casse-bone, il a pas pris beaucoup de dégâts. C'est toujours le même tour. Il a juste pas fait blood rush avant le e-strike parce qu'il voulait être sûr de discard et qu'il pouvait faire e-strike draw avec le go again et il voulait voir ce qu'il piochait. Et puis de toute façon, le e-strike, en fait, ne prend pas blood rush. C'est pour ça que Maximilian a 2 cartes en main. Là, Maximilian, il avait une DR en arsenal, une DR dans la main. Il a balance, il va probablement la craquer pour piocher. Donc, il va avoir défendu avec 6 cartes. On va voir s'il a pris des dégâts à la fin du tour quand même. Parce que c'était un setup cast bones into blood rush.
Donc c'est un très gros tour de Daniel. Ouais, et il garde la tunique pour éventuellement faire encore deux trucs. Ok, bloc 3. Plus Takis de Jin pour créer l'agility. Donc là, pareil, une bleue, on est à 7 de value, donc il peut bloquer avec le reste assez facilement. Pack call qui est proposé, donc ce sera juste la fin de tour et sur un arsenal. Ce qui est quand même un tour plutôt solide, hein. On a 7 plus 5 plus 11. Ouais, t'as fait un petit 23 et tu gardes un arsenal. Qui aurait pu être 24, mais il a joué safe. Ouais. Et là, du coup, le hold the line qui prévient 5 en tout, donc il a pris 2 sur ce tour et il a encore une carte. Et comme il a un agility, il va pouvoir faire hatchet into hatchet et reset les dynamos. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense qu'après autant de power cards passés, parce que t'as déjà 2 blood rush et un cast bones, avoir encore tous tes blocs sur Braveforge, et là proposer 5 plus les dynamos, voire 6 si la première hatchet touche, c'est assez insane. La sortie de Maximilian est très très bonne, ça se voit un peu moins, parce que c'est moins flashy que celle de Daniel qui a les cast bones qui touchent, les blood rush, les machins. Mais il a pioché les bonnes DR au bon moment. Balance of Justice, qui on le voit là, est une carte de fou. Et en fait, bah, il est toujours à 33 après tellement de stats. Oh, les infos qui sont données. C'est assez insane. Là, il y a eu de l'info sur le clash du plus 2, plus 2 du côté de Maximilian. Mais c'est vrai que là, le ripple away qui est proc, la balance qui est proc, et au début du game, ouais, le ripple, c'est vraiment le hold the line qui est proc. Enfin, là, il enchaîne les power cards un peu plus discrètes, certes, mais il les enchaîne aussi. Non, mais là, on est sur pareil. En fait, là, tu vois, c'est ça que je trouve assez fort à ce niveau-là, c'est que dans ce choix des cartes pour la liste, dans la façon de mettre telle carte à tel endroit dans la combat chain, dans la façon de défendre et tout, on sent qu'il connaît très bien son match-up. On sent qu'il sait pourquoi telles cartes sont là. On sent qu'il sait comment il doit value telle et telle chose. Et là, tu vois, typiquement, il aurait pu bloquer 3 de plus et ne pas prendre 2 sur le tour. Mais en fait, bah, les 3 qu'il garde, c'est 5 de dégâts qu'il présente plus le reset des Valiantes. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Trop de value perdue sur ce bloc, hein, s'il fait 6 blocs. Là, il joue très très bien Maximilian, pas d'erreur. Il joue vraiment très bien. Il y a vraiment zéro erreur pour l'instant du côté de Maximilian. Là, on sait qu'il c'est aidé par une sortie, mais... On sait qu'il draw Blade Fury. Donc là, on a E-Strike à 6 go again avec le draw. Ouais. Et normalement, il y aura forcément une claw après au minimum, parce qu'il y a la tunique qui est up. Donc même si c'est une draw qui... Enfin, même si c'est une rouge qui est draw pour Daniel, il pourra toujours au pire pitcher rouge plus ça pour claw. C'est vraiment le pire des cas, parce que ça fait tunique qui donne que 3 de value. C'est vraiment pas terrible. Et je crois qu'il a un Savage Fist dans l'arsenal, ce qui serait incroyable. J'ai eu l'impression que c'était Wild Ride, mais je me trompe peut-être. J'ai eu l'impression de voir plutôt Wild Ride. Ah mais oui, on sait que c'est Swinbig, ça draw. Oui, il l'a vu sur le clash. En fait. On sait. Mais du coup, il a décidé quand même de bloquer avec une carte de plus plutôt que de garder pour faire Swinbig avec tunique. Je sais pas ce que t'en penses, Clément, mais je trouve que... Enfin, je suis étonné de à quel point Daniel joue défensivement. Mais il sait qu'à la fatigue, il gagne en fait. Daniel ? Il sait que Maximilian gagne à la fatigue. Bah oui, non mais donc justement, je trouve ça étonnant qu'il mette autant de cartes devant des hatchets à 2 et à 3, plutôt que de les garder pour son second cycle pour garder des rouges. Là, il a bloqué avec un Savage Fist qu'il aurait pu pitch pour jouer Swing Big, avec sa tunique. Ouais. Et il a juste bloqué 3. Mais enfin, tu vois, je trouve ça assez étonnant. Et là, on voit Maximilian, du coup, qui prend beaucoup de dégâts pour les garder. Pour garder là, toute sa main avec la Blade Fury. Il garde la tempo. Et là, il maintient la tempo. Il laisse son Blade Fury, il a tunique à 3. Il a même le gobelet. Il a le gobelet pour maintenir deux tours de go again. On va voir ce que sa main va donner. Mais garder 4 cartes dans un deck qui veut jouer plutôt bloc 2, joue 2, c'est intéressant.
Blade Runner jaune pitché avec le Blade Runner bleu, into Hatchet, Blade Flurry, là on est sur un très très bon tour de ouais. Hatchet. Avec le gobelet au milieu pour pouvoir reset et le compteur de tunique. Est-ce qu'il y a pas un monde même où tu pitches le gobelet? Oh, il pitche le gobelet pour faire double. Parce que. Ah non, il est en gardant. Oh, il est en gardant, ça se tient. Parce que là, ça ferait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, 11, il n'a pas les ressources. Là, c'est un tour à 11. Tour à 11 actuellement. Tour à 11 et il peut Arsenal un Blade Runner. Et ça, c'est beau. Ouais. Ou tour à 12 si tu considères les Valiants en plus. C'est un 1, 2, 3, 4. Non, pardon. 5, 6. Oh, le flashback qui est proposé, c'est un très bon moment pour mettre ce flashback. Enfin, un très bon moment. Ça peut enlever beaucoup de value. On va voir ce que ça va faire. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que. En fait, peu importe la carte qu'il enlève, c'est pas grave. Parce que si c'est Blade Fury, il peut juste l'arsenal. Et ouais. Il aura d'autres timings pour l'utiliser. Ok, donc il garde et le. Et a priori, c'est Blade Fury. A priori, c'est Blade Fury. À mon avis. Oh, ah non, voilà. Ok, il la joue juste après. En fait, et donc, il garde Blade Runner en. Ouais. Jaune en. C'est ça, comme en backup en arsenal. Comme il a joué Blade Runner au bleu, c'est qu'il avait le Blade Runner jaune qui est parti en bench. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il fait les bras forge. Il y a le pitch pour le faire. Il y a le pitch unique, ouais. Du coup, on est sur le même value, donc on est toujours à 11, malgré l'intimidate. Ouais. Et il arsenal comme il avait prévu de le faire, donc très bien. On est à 12 même. On est à 12 même avec le reset des dynamos. 12 avec le reset dynamo, tout à fait. Et du coup, il a très bien joué de pitch gobelet, parce que c'est beaucoup mieux d'arsenal ce Blade Runner que ce gobelet, en fait. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'il a réfléchi, parce que je pense qu'au départ, il voulait pas arsenal et jouer le gobelet. Ouais, mais s'il faisait ça, il prenait le intimidate dans la tête. En fait. Exactement. Et en fait, je pense qu'il s'est dit, j'ai gardé ma main. Mon adversaire sait qu'il y a Blade Flurry. C'est probablement un bon moment pour jouer le flashbag. Comment je joue au mieux autour de ça, ouais. En pitchant le gobelet. Et encore une fois, rien à dire sur le niveau de jeu proposé par l'allemand Pixel. Ouais. Enfin, vraiment. Zéro erreur de sa part, encore une fois. Ouais, c'est très très propre. Hein. Et là, du coup, il a even les points de vie et il a pris deux cartes de la main de Daniel plus le casque. Ce qui est assez huge aussi. Parce que du coup, là, il se retrouve à nouveau avec un tour qui ne devrait pas être incroyable de la part de Daniel. Et en fait, c'est un peu le même genre de scénario que, pour des raisons différentes, mais c'est un peu le même genre de scénario que contre Josh Lowe, où il accepte de prendre des dégâts pour en remettre, parce qu'il évalue très 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 bien ses mains et la tempo qu'il a dans les match-up. Et c'est très bien joué lui. Et là, Daniel qui a complètement pass turn après avoir discard pour faire ses deux mites et qui du coup c'est IP1. Et là, il s'est IP1 et l'autre, Maximilien a une main pleine. Il va pouvoir se mettre très très bien. Blade Runner en arsenal, donc là, c'est quelque chose là. Là, il assoit sa domination sur la game. Ouais. Alors, il y a un Steel Blade Shunt, un Hit and Run et un Cleave. Il y a un gros cleave là qui peut partir à tout moment. Ouais, si le hit and run, selon la couleur du hit and run et du shunt. Le clash. Le clash. Blade Runner Biswizine qui est révélé. Donc encore de l'info, ça veut dire qu'il y a Blade Runner à la prochaine main encore. Ouais, et il y a un agility qui est fait du coup avec le clash pour Daniel Correas. Et ça, c'est quand même très value. Hein. On le souligne pas assez, mais il a fait son bloc 3 comme n'importe quelle carte. Et il a gagné un go again pour le prochain tour. C'est un bloc à 5 de value. Bloc à 5 de value et en plus il gagne de l'info sur le top deck. C'est clash. C'est vraiment très fort clash. Bah clash quand t'es dans des match-up où tu vas souvent les gagner, c'est vraiment bon, ouais.
Alors là, je pense qu'il va vouloir Arsenal, ce Shunt, et encore. Ouais, mais il a un choix à faire, du coup, parce que, voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, s'il décide de vouloir menacer un troisième hit, il va devoir utiliser ce hit and run. Et du coup, il va pas pouvoir jouer ce cleave. Il ouais. préfère menacer le troisième hit plutôt que de jouer cleave. Ou alors, il joue cleave et il pitch le shunt pour le deuxième hit. Après, juste pour push des dégâts. Ouais. Après, je pense que... Ah, il le joue, c'est ce qu'il va décider de faire. Il push les dégâts. La hache, elle arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur la hache. Comment ça, 11? Ah, le hit and run est jaune. Le hit and run, ouais, est, le jaune. Hit and run est jaune. Le hit and run est jaune. 11 go again, tiens. Mais 11 go again, si tu veux garder ta main et tes équipements, tu passes à 15. Hein. Et donc, ça fait toujours ce 10 de lead HP. Sachant que Daniel, mine de rien, a déjà mis une carte en bloc. Donc là, il est déjà, malgré son arsenal, sur une main de 4 cartes. Hein. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas value d'Arsenal, ce Steel Blade Shunt, que push les dégâts, là, c'est mieux. Parce qu'en fait, l'idée que Maximilien, je pense, c'est de... En fait, ils vont se taper. Imaginons, ils se tapent tous les deux à 10. Ils font 10. Bah, en fait, c'est Maximilien qui tape en premier dans cette histoire. Ouais. Et à un moment donné, bah, Caillou, il va devoir bloquer. Il pourra plus taper à 10. Mmh. Et c'est là que ça va commencer à entrer dans l'endgame. Et il bloque à 9 avec l'intégralité de sa main. Donc là, il bloque à 9. Ouais. Il perd. Enfin, c'est un peu lunaire ce qui est en train de se passer sur cette game. Parce que du coup, en fait, on se retrouve avec un Maximilien qui a toute la tempo, oh là là, qui joue des mains de 4 ou 5 cartes, qui full aggro, et de son côté, Daniel, il est en mode full block. Il vient de perdre 2 might et un agility dans le vide. Alors après, l'agility, il n'avait pas trop bossé pour l'avoir, mais le might, c'était un mighty wind-up qui avait été discard sur un tour où il avait déjà pass turn. Ouais, ouais. Donc là, Daniel n'a rien fait dans les 2 derniers tours, et il a pris des dégâts. Là, il se fait out aggro par Dory Hatchet, c'est quand même une honte pour Caillou. Ouais. Blade Flurry, c'est une bonne carte. Bah, 0 pour 4, ouais, c'est pas mal, il paraît. Et tu vois, ça en revient aussi ce qu'on disait sur le tour du Scalding, où Maximilien a très 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 bien joué au tour. Et ouais. S'il avait fait cette petite erreur de faire sa séquence qui est la meilleure si on considère pas l'Intimidate, c'est-à-dire jouer le Goblet et pitch le Blade Runner bleu, ouais. Daniel aurait pu l'envoyer dans l'espace avec un Intimidate sur le Blade Runner jaune qui aurait été game changer et qui aurait complètement annihilé la value du tour de Maximilien qui venait de prendre genre 7 dégâts gratos pour le faire. Et le fait qu'il ait correctement joué au tour a fait qu'il a pu maintenir ce tour malgré le flashbag. Voilà, le même et tour. Et là il enchaîne. Et là, il le enchaîne. Même tour, le même tour, mais il menace le troisième hit cette fois avec ouais. une carte en main. Il menace le troisième hit plutôt que de taper avec un cliff, parce que bah il a pas ce buff contrairement au tour d'avant. Voilà, il a pas lui m'en fout, il a pris les dégâts. Est-ce qu'il rate ouais. du coup Maximilien, je crois, lui a rappelé pour lui dire t'es sûr, il y a un hit and run, il y a go again, parce qu'il avait pas encore symbolisé le go again sur la chaîne. Pas lui m'en fout, t'as pas 4. Mais pas lui m'en fout, t'as pas 4. C'est pas mal, hein. C'est plutôt solide, hein. Pouvoir de Dory. La pouvoir de Dory, voilà, on l'a vu, maintenant c'est 4 de value. Ouais. Ouais, c'est. Et là, Daniel, qui s'il veut continuer à garder sa main, va passer à 13, mais en fait, il est obligé parce que il sait que s'il passe son temps à défendre, il perd à la fatigue parce qu'il va perdre énormément de cartes et Maximilien a un deck qui est fait pour aller en late game, donc tu as juste. Tu peux juste pas le block out et garder les cartes dans ton deck indéfiniment. C'est un tour Blood Rush. Et c'est un tour tunique avec Blood Rush. Et là, Maximilian, il a encore Valiant, il a encore Braveforge, il a ses 4 cartes en main. CNC, on s'en fout. S'il arrive à maintenir de garder 2 cartes pour pouvoir faire Hatchet, Go Again, Hatchet sur le prochain tour et maintenir un peu cette tempo et ce turn cycle, ça va être assez insane. Là, Daniel, il a besoin que ce tour soit très violent. Il a besoin que ce tour fasse mal. Clos à 5. Ouais. En fait, il est obligé de
prendre des dégâts pour attaquer Daniel, parce que même en faisant que bloquer, il va perdre parce qu'il a beaucoup de cartes qui ne bloquent simplement pas. Et que, ouais, en plus. Il va ligue des dégâts et il va perdre tout seul, en fait, juste en essayant de bloquer. C'est pas un jeu qui bloque, c'est un jeu qui tape. Donc là, il doit reprendre la tempo s'il veut s'en sortir. Il doit taper. Donc ce tour Blue Rush doit être impactant. Bah ouais, là, il a besoin de forcer des cartes pour qu'il n'y ait pas de reset de Valiant au prochain tour et que Maximilian arrête un peu cette constante agression. Ouais. Et il a besoin de ligue des dégâts également. Il y a un Beast Within dans la main, une chance sur 3. Oh, c'est le Beast Within qui sort. Oh là 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 là. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Il récupère une carte jaune pour pitcher. Et... ça, ou pour le discard, s'il a plus qu'une attaque à faire, tu vois, il peut pitcher l'autre carte. Ouais, ouais. Discard ça pour garder un agility pour le tour d'après. Je crois qu'il a un runner en plus, donc. Il peut y avoir des choses qui se passent là. Donc là, il a vraiment une main tout à fait solide. Il a un runner. Je pense qu'il y a un play. Alors, voyons voir ce qu'il fait. On a un block 7 du côté de Maximilian. Qui va prevent un maximum de dégâts, rester tranquillement. Mais encaisser du coup, le tour Blood Rush. Ouais, mais du coup là, il pourra à minima attaquer à 2 Maximilian avec sa hache grâce à la tunique qui va passer à 3. Mais s'il décide de bloquer avec les Valiants, il ne pourra pas reset. Puisque il a qu'une carte en main, donc il ne pourra pas pitcher pour les deux haches et jouer une carte qui donne go again. Et là, il lui reste une carte en main, il a encore un 8 contre lui. Il va forcément leak. Ouais. Mais en même temps, il est encore à 22. Hein. Ouais, là, il lui a fait un tour à 21, il va pas prendre tant de dégâts que ça encore une fois. Ouais, en fait, il a encore les Brave Forge à 2 sur lesquels il peut. Là, il peut se dire que c'était le troisième Blood Rush. Est-ce qu'il mettrait pas les Brave Forge maintenant? C'est un Blade Fury en main. Ouais, c'est pour ça qu'il hésite à bloquer. C'est parce qu'il aimerait bien l'arsenal, en vrai, je pense. En vrai, je pense que là, parce qu'il se dit. Ouais. Ah, vas-y. Sans son play, ça va être Tunica Chet et Arsenal Blade Fury, je pense. Bah, je pense que c'est à ça auquel il réfléchit. Il se dit, mon adversaire est à 12. Et donc, il est en train de réfléchir, est-ce qu'il value plus le plus 4 que peut lui donner Blade Flurry dans un ou deux tours, ou le bloc 3 que ça donne maintenant pour maintenir ce gros lead HP. Il décide de le mettre maintenant pour bloquer. Il prend 5. Daniel, comme on l'a dit, discarde le Agile End Up pour faire un Agility pour le prochain tour. Et là, il va pouvoir jouer avec une full main, Daniel, à moins qu'il décide de bloquer la petite H à 2. Ce serait un peu étonnant. Et Maximilian qui décide encore de conserver ses Brave Forge, hein, malgré que ce soit le troisième tour de Brave Forge et que, que tu vois, on aurait pu se dire qu'il aurait envie de les rentabiliser maintenant et de pouvoir rentabiliser après. Oh, il lui prend une carte là-dessus. Et ouais. Bah après, vu sa main, c'est une carte qu'il n'aurait pas Arsenal, il avait déjà une autre bleue. Et là, il peut faire avec sa main, il peut pitch, je crois qu'il avait 3 bleus, donc il peut pitch pour Claw into CNC. Et donc en fait, cette carte-là, il n'avait pas envie de l'arsenal, parce que t'as pas envie d'arsenal une bleue dans Caillou. Et du coup, autant, là pour le coup, je comprends, autant prendre les deux points, t'es à 12, t'es pas si frais que ça. Autant prendre garder tes 2 HP parce que la carte allait rien faire d'autre, plutôt que de forcer, entre guillemets, le... Le 4 et CNC qui part. Ouais, tu vois, parce que t'avais aucune des cartes là que t'avais envie de jouer ou d'Arsenal. Hein. Et donc, je pense que tu prends les 2 HP au-dessus d'autre chose. Là, il fait pas lui m'en fout parce que son bloc, il pourrit. Et ouais. Bah, en fait, s'il décidait de bloquer, il pouvait pas reset les dynamos et refaire Hatchet. Non, ouais. Il bon move, là. Donc là, il préfère garder la bleue plus go again pour faire ses Hatchet. Il va pouvoir Arsenal le Sing Below. Et être assez tranquille parce que Singbilo plus Valiant qui se reset, il est assez bien sur sa capacité à bloquer pour le prochain tour. Les tonneurs et rouges, on tape à 6. Là, il présente 8 avec, les Valiant qui reset. Du coup, il fait un petit. Ouais, deux cartes 9. Deux cartes 9, c'est pas mal, hein. C'est fort, c'est pas mal, hein.
Deux cartes neuves, c'est pas mal. Et là, et en fait, le truc, c'est que on le répète parce que c'est important, mais Daniel, il est à 12, donc là, les 6, il doit les respecter. Il peut pas juste se dire, oh non, m'en fous pas lui. En fait, il est obligé de considérer quand même que, bah ouais, là, il doit bloquer un petit peu. Mais du coup, son tour va être probablement vide. Il va à Arsenal Arsenal. passe. Hein. Et donc, bah, Maximilian a encore une main qui est full. Je pense que sa carte en main c'est un Savage Fils Rouge, donc il va juste devoir Arsenal, même il n'a pas le choix. Ouais. Donc là on est sur un deuxième compteur tuning des deux côtés. C'est qu'il y a main pleine, main à 5 cartes du côté de Maximilian, il y a moyen qu'il mette énormément de pression sur ce tour. Mais tu vois, c'est marrant Oh là parce là. qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure quand j'étais avec Enki au cast de est-ce qu'il faudrait une ban sur Kayo, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et moi, je trouve que de voir ce genre de game où Kayo fait pas une mauvaise sortie, le joueur est pas mauvais, et en fait, le deck en face est tellement fait pour répondre à cette menace, pour outvalue les mats que peut faire Kayo. Pour être capable d'encaisser les gros tours et de l'outvalue sur les tours moyens, que moi je ne nie pas que Kayo est un bon deck et il y en a 4 dans le top 8, hein, donc même si on les voit perdre les uns après les autres, ça n'enlève évidemment rien à la qualité du deck. Mais je trouve qu'effectivement, il y a Oh des là réponses et là. il y a des choses qui se trouvent pour contrer le deck. Et là, on prend un Casbones. Deux casse-bones Deux et un Casbones. sweep. Oh putain, Par c'est dur. contre, Hein. j'ai du mal à comprendre le bloc Scap Skin. Qu'est-ce qu'il s'en fiche qu'il fasse deux coppers? Pourquoi il a bloqué avec Scap Skin? Je sais honnêtement pas et honnêtement, je C'est pas. une deuxième erreur. Pour moi, c'est une autre erreur. Je t'explique parce Ouais. que du coup, le CNC, il aurait pu bloquer avec Apex Cap Skin et une carte de sa main. Ouais, Et il ouais, aurait créé un might, il aurait pu faire un truc. Et Il là, aurait pu il juste perd. jouer un Casbones avec un Might sur table avec le. Non, parce que le Might Ouais. aurait proc, pardon. Ah, il avait un. Ok, il avait un non-block dans la main, donc on peut comprendre un petit peu les blocs. Ok, Après, en tuning. vrai, en fait, je pense que. Non. Le Scap Skin, je pense pas que c'est une erreur parce que je pense pas que c'était pour bloquer les coppers. Je pense que c'est pour. Parce qu'il y a une main de 5 cartes en face, vu qu'il vient de full block. Ou Et du coup, speed block. tu veux éviter un tour 3 attaques. La main est pas terrible du côté de Maximilian. Donc il va sing below une carte, je pense. Il va sing below le Ouais, CNC. il va chercher une bleue. Il va sing below le CNC pour chercher du pitch. Yes. Et il fait exactement ça, il veut Et une bleue il et le il trouve trouve. une bleue. Il trouve Glint, qui est beaucoup mieux parce que c'est le go again et la reprise, hein, parce que on a vu que là, Daniel, il veut bloquer. Yes, et là du coup il va pitch ce Ah, glint. ok, il pitch le Glint. Ouais, parce qu'il a, il a besoin, je pense, de la ressource. C'est plus De toute safe de façon, pitch il le va. Glint. Bon, en fait, il va jouer le shift. Ouais, il va jouer Le le shift de shift Tide of Battle, je et pense. agility go again, c'est vrai. Dominate, ça va être bloqué parce que sinon il va prendre trop cher. Là, c'est Dorime. Dorime, Hatchet of Body. Dorime, Hatchet of Mind. Là, le Kayo, il a plus que Apex et Tunic pour tenir à la vie. Il a plus de Castbone. Je crois qu'il a même plus de Swing Big. Il lui reste un Blood Rush. Il se fatigue à une vitesse Non, non, grand il lui V. reste plus de Blood Rush. Il en Parce a. qu'il en a fait un tour 1 pour essayer de revenir du tour. Parce que, tu sais, il a pris Ripple Away sur son Agile Wind-Up. Et du coup, il a fait Blood Rush avec sa main de 4 cartes pour tenter de mettre une pression directe. Ah oui, il a fait les Et il trois en a joué blocs. deux autres depuis. Il a plus de Blood Rush, il a plus de Casbones, dont deux qui ont servi à bloquer. Enfin, après, Maximilian est que à 11, donc il a plus forcément besoin d'énormes power cards, parce qu'il n'y a plus de temps que ça à mettre. Mais tant qu'il est en train de défendre parce que Ouais. Maximilian de son côté Ten run garde rouge. des mains et l'aggro, là il y a Hit and Run rouge. Il va Ashes. pouvoir attaquer avec Hatchet à 8, 9 Dominate.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dominate. C'est pas 9 ? Non, c'est 8, pardon. C'est 8, pardon. 8 dominate, go again. Et en fait, la première hache est ayant déjà touché. Et oui, peu importe ce que Daniel fait sur celle-là, il va pouvoir réattaquer avec une hache grâce au pitch de Tunic. Ouais. Et du coup, la hache avec laquelle il va réattaquer va venir pour 5 dominate. Le speedload qui fait 6 de value sur ce tour, insane. C'est insane ce qui vient de se passer. Le pouvoir de Dory qui fait de la value dans de 1. Qui fait énormément de value. Le speedblood qui est vraiment trop trop fort. Je pense que c'est la raison principale de jouer Dory à chess et speedblood. Hein. Je pense que ouais, sur les tours de speedblood, tu donnes trop 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 de value à la carte. Ok, un petit Berfang à 8. 9 avec le might. 9 avec le might, il y avait un might. Berfang à 9, c'est correct. Hein. En étant tellement sous pression, c'est bien qu'il réussisse à faire ça, mais il a pris 8 pour faire ce Berfang. Est-ce que... Il y a toujours les Braveforge. Les Valiant. Il y a Shift the Tide Battle et Blade Flurry, on est d'accord. Donc là, il va bloquer 3, il va prendre 6 et il va partir. Et pas lui, m'en fout, et il tape. Hein. Et il va partir, ouais. On est d'accord. Hein. Là, il n'y a pas de... Le Savage Beatdown est assez étonnant du côté de Daniel. Alors, tu sais que je pense, en vrai, qu'il s'attendait à ce que Maximilian joue beaucoup plus défensif que ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et il aurait un aggro avec un Savage Beatdown. Et tu vois, en fait, le Savage Beatdown, c'est pour setup des gros tours où il peut... où en fait, on lui laisse le temps et où il setup des tours qui passent au-dessus de la défense et du bloc 12. Ou le bloc 2 qui va faire mal. Mais en fait, Maximilian, il a juste dit je joue ma sortie, tu veux bloquer tes tours, je vais trade DHP contre DHP. Et en fait, mon deck, il fait des bonnes maths et il fait même des bonnes maths offensivement quand tu me laisses des cartes. Parce que la hatchet à go again de base, ouais, il peut Blade Fury maintenant. Et shift sur la deuxième hatchet pour éventuellement refaire une troisième hatchet. Exactement. Par éventuellement, il est sûr de pouvoir refaire la hatchet of body s'il Blade Fury maintenant. Parce que du coup, la carte va passer. Enfin, l'attaque va passer. Ah oui, elle pourra réattaquer. Oh, c'est vraiment trop fort. Et elle peut réattaquer. Donc, et comme il n'a pas eu besoin de mettre un pitch pour un go again, les trois pitchs, c'est les trois attaques d'armes. Donc là, il peut réattaquer à 5 derrière. Puis, il peut réattaquer à... À 3. À 3. S'il fait ça. Sachant que Daniel sera à 1, donc il va probablement devoir mettre toute sa main. Et s'il y a le moindre non-bloc... La tunique. C'est... Tunique qui part à minima, voire c'est perdu. Voire c'est loose. Hein. Un Berfang et c'est loose, là, actuellement. Là. Ouais, un non-bloc dans la main et c'est perdu. Vraiment, le pouvoir de Dory qui est vraiment très très fort et vraiment une des raisons principales pour laquelle les hatchets sont joués sur Dory principalement et pas Olympia, par exemple. Ouais. La synergie avec Spillblood notamment, hein, comme on l'a vu là, c'est très 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 strong. Hein. Tu gagnes tellement de value parce que du coup tu fais une attaque à 5 en plus. Enfin, c'est vraiment. Et je crois pas que Daniel puisse gagner cette game, honnêtement. Il est tellement sous pression. Non, je pense que là. Il est resté un bloc sur l'Apex. Il reste un bloc sur l'Apex. Mais là, ok, le bloc du coup. Mais est-ce que ça change réellement des choses? Parce que tu Blade Flurry. Tu Blade Flurry maintenant. Tu passes de dégâts. Tu mets Daniel à 1. Et tu te retrouves à pouvoir réattaquer avec la hatchet. Et oui. Tu fais 4-5-3 et puis. Tu fais 5 ensuite grâce au Blade Flurry. Ouais. Il est obligé de mettre deux cartes, ou Tunic Apex et une carte. Et tu réattaques une dernière fois à 3. Parce que tu donnes Go Again avec Shift.
Et tu peux même aller jusqu'à te dire que tu payes un sur Brayforge pour passer un breakpoint. C'est à 4, et là, c'est vraiment la fin des haricots. En pitchant ton Take It on the Chin. Et du coup, tu fais 4, 5, 4. Ouais, c'est finito pipo, là. S'il y a le moindre non-bloc, c'est perdu. Et s'il y a autre chose qu'un non-bloc, tu prends toute sa main, il passe turn et... Ouais, mais dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est qu'il aura un agility pour le tour d'après et qu'il va retaper. Et à un moment donné, ça passera plus. Il va juste lui casser la tête, là. Ouais, du coup, il décide, ok, il joue le Blade Flurry. Normal. Ça, alors, je sais pas trop pourquoi ça lui a pris autant de temps. Enfin, tu vois, pourquoi il comptait et tout. Je pense que juste, il a le temps et il préfère être sûr aussi parce que bon, c'est toujours mieux de s'assurer à ce niveau de la compétition. C'était plutôt du côté de Daniel qui réfléchissait s'il bloquait vraiment deux, je pense. Peut-être. C'est possible. Alors, donc, on a le 6 de bloc, forcément, obligatoire. Shift the Tide. Est-ce que t'aurais pas... Moi, j'aurais peut-être 3 blocs et mis les deux équipements pour garder un 3 blocs dans la main. Bah, ouais, ça dépend ce que t'as dans la main, en fait. Je pense. Je pense qu'il aurait dû valider son équipement sur le 5. Ouais, ouais. Puis après, tu sais pas forcément... Enfin, tu peux t'en douter, mais tu sais pas forcément s'il y a un Goegen qui arrive sur cette hache. Donc peut-être que dans ta tête, tu te dis, c'est la fin, je bloque 6 et... Tu vois, à mon tour, je fais une claw ou je joue mon arsenal et let's go. Et du coup, il décide effectivement de pitcher le Take It on the Chin plutôt que de le garder en arsenal. Pour 4, et ça va prendre. Ok, c'était un bloc, donc ça va. Tu vas pouvoir bloquer. Et du coup, ça va péter le Apex. Ça va prendre toute la main de Daniel. Ça passe turn, hein. Et là, le seul truc pour Maximilian, c'est il faut pas qu'il pioche une main avec des DR ou des trucs bizarres. Il faut qu'il pioche une main avec Go Again et si possible, un ou deux boosts. Il a déjà Go Again, il a agility normalement. Non, parce que Shift, c'est que si tu touches. Ah oui, c'est... Ouais, ça donne Go Again, et si ça touche, t'as un Agility en plus. C'est un Agility. Ouais, c'est ça. Oui, comme il a tout bloqué après. Donc, Spoils of War, oh là là, Spoils of War. Ça, c'est très très bon, parce que ça donne le Go Again et un buff, donc il est assuré de pouvoir attaquer au moins avec deux hatchets. 4 Go Again. Et le 4 va demander... ok, ça prend des blocs 2... Et là, on voit qu'il y a un non-bloc dans la main. Le cleave, et c'est fini. Il y a un non-bloc dans la main. Elle est à 7, c'est la fin. Il y a un non-bloc dans la main. Et Maximilian qui va en finale pour retrouver Arthur. La finale de Zinzin. On aura donc Maximilian contre Dromai. Dory Hatchet contre Dromai. Ça va être vraiment une finale de fou furieux. Franchement... je sais pas ce que vous en pensez du chat, mais je trouve que Maximilian a montré un très gros niveau. Il a fait que ce soit game sur ses games, tu vois, que ce soit sur ses games hier en stream et tout, ou que ce soit ici. Enfin, pour moi, tu vois, c'est de ce qu'on a vu, on a peut-être les deux meilleurs joueurs. Alors, parce que évidemment, oui, c'est facile de dire, c'est les deux en finale, donc c'est les meilleurs joueurs. Mais moi, je trouve que c'est ceux sur les games qu'on a vus en stream, que ce soit dans le top ou dans leur game sur l'ensemble du tournoi, qui sont pixels, tu vois. C'est vraiment... Ouais. Maximilian, il n'a pas fait d'erreur sur sa game. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Il a pas fait de misplay, il a très bien joué ses mains, très bien value ses cartes, et c'est la force du deck, et pour moi, honnêtement, finale méritée. Hein. Finale méritée, que ce soit sur comment il a réussi à gérer avec ce CNC et avec cette game qu'il a très bien joué après ce lead contre Joshua Lowe en quart, ou que ce soit ici. Alors que tu vois, de l'autre côté, alors Daniel, évidemment, ça aurait pas été démérité, bien sûr, de s'y passer en finale, mais on a eu un peu plus de moments où on s'est dit, est-ce que là c'est vraiment le meilleur play, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire, alors que Maximilian, pas du tout, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ce qui s'est passé par rapport au tournoi, c'est que tout le monde savait qu'il y aurait énormément de Kayo, mais il y avait également beaucoup de gens qui étaient sûrs, dont moi, que Kayo ne pourrait pas gagner ce Pro Tour, parce que le deck est trop jeune,
et que les joueurs ne sont pas assez expérimentés avec le deck, et que ça va vraiment être des decks de professionnels, de gens qui sont beaucoup travaillé à leur deck, qui vont passer en finale. Donc là, on a Dorian Thea, l'un des premiers héros du jeu, Dromai, un héros qui est sorti sur Uprising, qui est très vieux également maintenant, et les decklists sont prêtes, sont faites, les match-ups sont prêts, et c'est vraiment des decklists beaucoup plus travaillés que celles de Kayle qu'on voit actuellement. Et pour moi, ça me semble tout à fait logique d'avoir ça en finale. Puis Maximilian, je sais pas parce qu'on le connaît pas, hein, mais Arthur, il joue Dromai depuis le début ou presque le début. Il a joué un petit peu Islander comme il le rappelait en interview tout à l'heure, mais globalement, il a joué quasiment que Dromai. Il maîtrise le pack à la perfection, il connaît parfaitement sa liste et tout. Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Franchement, c'est des gens qui du coup ne font pas d'erreur et c'est récompensé. Dans une méta où, on le rappelle, en fait, le power level est vraiment close entre les decks. C'est vraiment... Enfin, tu vois, c'est... T'as plein de decks qui étaient possibles d'envisager et où tu te disais pas « Ah non, ça se fait casser la gueule par un deck qui est 4 fois plus fort. » Et en plus de ça, j'ajouterais, par rapport à l'argument qui est très, très bon de Kaio, c'est un deck jeune, que... tu as en plus le fait que beaucoup de gens allaient target le deck. Et on target le deck, tu vois. Et ça se voit. Ça se voit, et en fait, je pense que beaucoup de teams, quand elles ont playtest, la question c'était, ok, Kaio, c'est probablement le meilleur deck ou un des meilleurs decks en termes de power level. Ça peut en plus aïroll un petit peu. Soit on joue ça, soit on essaye des decks, mais le premier test, c'est qu'est-ce que ça donne contre Kaio. Et si c'est bien contre Kaio, on va peut-être un peu plus loin et on voit si, ok, c'est bien contre Kaio, mais ça se fait oblitérer par Dromai, bon, peut-être pas. Et tu vois, mais je pense qu'un des premiers paliers de test pour n'importe quel deck, pour n'importe quel team et n'importe quel joueur, c'était ce match-up Kaio. Et enfin, le truc était vraiment attendu. On l'a vraiment vu sur le side hold the line, sur le side balance, sur le side ripple away. C'est des cartes vraiment qui targetent ce genre de deck. Qui target Ripple Away target beaucoup de choses, c'est une très bonne carte actuellement, mais All the Line c'est vraiment spécifiquement Kaio plus que, enfin Kaio et Ninja qui sont deux decks très représentés. Yes. Bah qui était attendu comme les deux meilleurs aggro, tu vois, c'était vraiment All the Line, c'était vraiment nécessaire dans cette méta actuelle. Yes. Bon. Sur ce, je crois qu'il y a une petite pause. Ouais, on va laisser la parole après petite, la pause. Yes. Petite pause et puis on va laisser notre place pour la finale. Et puis bah tous en voiture dans la tute. Arthur en finale. Arthur derrière la tute. C'est parti.